fallu aller connecter-vous rapidement. Vous êtes censé savoir qu'on a cours tous les matins. Bienvenue à l'école de la foi. Je crois que je vais nommer mes cours de matin à l'école de la foi. Donc, demain, vous aurez une vidéo sur YouTube. Vous en avez une hier, avant-hier, le jour d'avant. Allez vous abonner sur YouTube. Le nom sur YouTube, The Gifted Girl Academy. Le contenu de YouTube est différent du contenu de Facebook. Vous devez savoir ça. Donc, Seigneur, je te remercie pour cette opportunité que tu me donnes, et je donne à tes enfants qui m'écoutent, de nous connecter, de former un nouvel esprit ensemble. Tu as dit là où deux personnes sont rassemblées à ton nom, tu es là. Donc nous savons que tu es là. Et je demande que tu sois là pas seulement pour nous observer, que tu viennes avec la libération, que tu viennes avec la force, que tu viennes avec le pouvoir. Donne-nous le pouvoir de changer nous-mêmes, de changer notre vie, de changer notre entourage. Donc, je bénis les paroles que je vais dire aujourd'hui, que je puisse parler avec puissance et que mes paroles adressent exactement ce que vous avez comme problème dans votre vie. Let me speak with accuracy. Let my language be straightforward. I receive words from heaven. Utterance to speak as your oracle. I bless my tongue. I bless the ears of the hearers. And I bless the wisdom that will be received here. In Jesus' name, amen. J'ai plus de facilité à prier en anglais, donc vous m'excusez. All right. Je crois que je vais réactiver ma chaîne YouTube en anglais. Que j'enseignais aussi en anglais. Et la chaîne, là, ça doit être 4 mois que je n'ai pas posté dessus. Parce que je me suis concentrée sur mon public francophone exclusivement. Bonjour le roi Moussa, je vois que tu es là. Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à m'écouter et vous avez mis des actes. Vous avez attaché des actes à votre. Parce que vous ne m'écoutez pas comme vous regardez. Supposons peut-être Fleur de Lys. Ou bien comme vous écoutez. Celle qui fait dans tout là, Majaki. Quand vous m'écoutez. Parce que ça a toujours été mon but, que vous sortiez d'ici avec un petit pas en plus dans votre vie. Quelque chose de concret que vous allez partir mettre en pratique et ça va vous aider à changer. Ça a toujours été mon but. Donc, je sais que cette prière, à chaque fois, elle est exaucée. Ok. Beaucoup, vous avez commencé à m'écouter. Vous avez commencé à voir les batailles de pensée. Parce que tu m'écoutes, tu pars, tu laves avec le sel. Tout ton corps est cassé. Tu m'écoutes, tu pars. Hier, vous n'avez pas partagé ma vidéo que j'ai fait la nuit. Je vais commencer à vous bloquer. Vous êtes là, vous commentez ma vidéo. Chaque jour, vous ne partagez pas. Pourquoi? J'ai vu ça hier, je me suis mis à attendre un peu. Vous prenez la tête. Je passe une heure par jour, je vous enseigne, vous ne partagez pas ma vidéo. Et je vous dis toujours, ayez l'esprit qui donne. Quand tu regardes ma vidéo, tu ne m'as pas me donné l'argent. Comme tu me regardes, je parle. Tout ce qui avait été dit, tu vas me payer pour ça. Non. Dans ta façon de dire que okay, je retourne à cette personne, je like sa vidéo, je partage sa vidéo. Vous connaissez comment YouTube fonctionne, vous connaissez comment Facebook fonctionne. Vous allez Wanda, vous allez venir m'écouter pendant 2 ans. Rien ne va changer dans votre vie. Parce que vous m'écoutez avec l'air égoïste. Et vous dit. Ok, vous dites moi clair. Il y a des personnes qui me regardent, elles me disent que le premier jour que tu es regardé, je partage tous ceux que je connais. Ils connaissent ta vidéo parce que je leur ai montré. Toi là, tu m'écoutes depuis, tu n'as jamais partagé mes vidéos.
égoïste. Qui tu m'aimes pas? Qui tu m'approches? Qui tu m'approches aujourd'hui là? Je veux pas la foule, je veux pas la quantité. On va dire, oh, j'ai 100 000 followers. Tu as changé la vie de combien? 5. Bêta, j'ai 100 followers. J'ai changé la vie de 100 personnes. Voilà ce qu'il veut. Donc, moi, il doit avoir dit ça. Il doit avoir dit ça cash. Parce qu'il vous connaît. Je connais l'esprit du Camerounais. Tu es méchant dans ton cœur. Il n'a même pas prévu de vous dire ça, mais il vous connaît. Et c'est ça qui vous bloque. Vous êtes méchant, vous êtes jaloux. Vous ne voulez pas que l'autre personne progresse. Et vous êtes chaque jour sur mes vidéos. Oh, on t'aime, on t'aime. Quand vous voyez un autre public, même plus que vous là, votre amour là, c'était de l'hypocrisie. L'hypocrisie. Et je n'aime pas l'hypocrisie. Pardon, je n'aime pas l'hypocrisie. Je suis arrivé à Abidjan, j'ai vu une dame. J'ai consulté toutes ses soeurs. C'est elle qui a payé. Ses soeurs, ses enfants, toutes ses soeurs sont passées. Je les ai consultées, je les ai lavées. Elle me dit, depuis que je t'ai rencontrée, toute ma famille, je leur donne, j'envoie les vidéos, si vous les regardez, si vous ne les regardez pas. Vous pensez que Dieu va laisser la femme là comme ça? Je veux que vous compreniez qu'on fonctionne avec des lois. Il y a des lois dans cet univers. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un, tu parles, tu crois que je vais avancer, je vais avancer. C'est pour ça que tu es bloqué. Parce que ton cœur est noir. Quand tu vois quelqu'un avance un peu, ton cœur est noir. Et qui est? Pourquoi? Bonjour Monique, bienvenue la reine Monique. À part de talk ce matin là, je n'avais même pas prévu de vous dire l'autre aussi. Mais quand il me met ce qui est pris là, je sais que ce qui sort de ma bouche, c'est ce qu'ils veulent que vous disent. Beaucoup d'entre vous, oh, ma vie n'avance pas, pourquoi? Ton cœur est noir. Tu ne veux pas que les gens autour de toi avancent. Tu ne veux pas. Tu as le choix, je parle aux Camerounais, les Camerounais surtout. Je vais aller dans d'autres pays, non. Je ne vais pas au Gabon la semaine prochaine. Je suis sûr que de tous les Africains, là, pour les Camerounais spéciales. Parce que pour vous, là, oui, je te suis depuis, je te suis, hein, Certains vont se dire que je n'ai pas venu de l'argent à la consultation. Donc, tu vas écouter même l'offrande, tu ne vas jamais faire. Ne t'inquiète pas. Comme je sème dans toi jusqu'à ce que tu m'écoutes là, moi j'ai bien ma récompense. Je veux que vous puissiez comprendre. Vous avez trop sous-estimé la loi de la nature. Quand tu comprends les lois de la nature, tu utilises ça à ton avantage. C'est pour ça que vous allez voir les gens vont prospérer. La personne va se lever, elle est partie faire ses dons à l'orphelinat. La personne est en train de donner. Toujours en train de donner. Les personnes que j'ai fait avec le plus de succès. Que ce soit mes clients ou d'autres personnes avec le succès que j'ai approché. Ce sont les personnes qui donnent tout le temps. Parfois, la personne, à la fin de la journée, ça, la personne est vide. Le lendemain matin, son compte est encore plein. Toi, tu as là, le petit que tu as là, tu es là, tu as ça depuis dans ton compte, c'est depuis 6 mois. Ça a accouché l'autre. Ça a accouché l'autre. Tu vas savoir que l'argent que tu gardes dans ton compte, là, les gens se font ça chaque jour. Chaque jour, les gens se font les 10 000 euros que tu as dans le compte. Là. Comme tu penses que c'est ton devant derrière, c'est ta fin de la vie là-bas. Donc voilà, tu es calé là-bas. Ne t'inquiète pas. Les gens vont avancer. On va avancer, toi, tu vas rester derrière. Très égoïste. Seulement moi, montre-moi, dis-moi. On te montre, tu pars, tu ne fais pas. Le Seigneur lui m'a dit que prenez garde. Vous venez vous mettre à la porte, vous n'entrez pas. Et vous empêchez ceux qui sont dehors d'entrer. Peut-être qu'il y a ta nièce, que si ta nièce regardait mes vidéos, c'est qu'elle est un millionnaire dans ta famille, millionnaire en euros. Tu te dis que comme je vois elle est un peu entrepreneur, là, si elle monte les vidéos, si ça va trop la motiver. Je vous dis.
que si elle montre à la femme, c'est que ça va la motiver. Déjà, même sans comprendre ce qu'elle dit, ce que la reine Jocelyne dit, je suis déjà jalouse d'elle. Regarde comment ces choses augmentent. Si elle lui montre la vidéo aussi, ne t'inquiète pas. Elle va tomber sur ma vidéo. Même s'il faut qu'un jour, comme ça, un téléphone tombe du ciel, ça tombe sur sa tête, que top. Elle programme ce téléphone, le soleil, pour là, c'est ma vidéo qui est sur ça. Elle va voir. Le mauvais cœur n'aide pas. Et c'est ça qui vous bloque. Vous ne voulez pas voir quelqu'un d'autre prospérer. Pas de problème, la reine à Sylvia. Vous ne voulez pas voir quelqu'un d'autre prospérer. J'ai commencé à savoir que moi-même, voilà lui, toi-même tu as dit, tu partais en prison, j'espère que ça va changer un peu ton... Toi, lui, là, tu es très carré dans ta façon de voir les choses. Tu es très carré. Peut-être l'esprit t'a dit que donne, tu voulais un peu durci. Ouais. Tous ceux que j'ai vu prospérer, ce sont des gens qui ont dans leur âme, qui veulent voir leur pays. Je me rappelle en 2013. Je faisais des jeûnes secs, des jeûnes de 40 jours. Seigneur, montre-moi comment je peux aider les Camerounais. Je vois comment les Africains souffrent en Europe. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Je ne connaissais même pas que tous les guides du Gersi, là, je devais faire ça un jour. Et quand tu tombes maintenant, après avoir désiré l'univers est juste. Supposons peut-être, tu passes 4 ans, tu t'investis dans une relation. Tu aides l'homme ou la femme là. La personne construit son business. Tu passes même 19 ans de ta vie. C'est le cas pour certains d'entre vous. La personne construit son business. Construit. Quand la personne est milliardaire en France, c'est fort. J'ai une cliente comme ça. Elle est mariée depuis peut-être 23 ans. Ça fait 19 ans qu'elle a aidé son mari. Non, attends, c'est depuis 2005, pas 19 ans. Peut-être 17 ans. Elle a bossé avec l'homme. Bossé. Ces choses ont commencé à prospérer. Elle a fait une petite erreur. Il s'est basé sur l'erreur. Alors que lui-même, il fait la même erreur. Tu découvres que ta femme te trompe alors que tu sais que tu la trompes. Il se base sur ça pour l'envoyer au champ. Donc, même 5 francs, elle n'a plus. Ils sont dans la même maison comme les colocataires. Ton mari est milliardaire ici au Cameroun. Je lui ai dit que tu sais, la nature... Dieu notre tout. Quand Dieu dit que même le. Regarde, mon grain de cheveux. Oh, tes grains de cheveux sur la tête sont comptés. Tu prends un petit, tu l'aides. Tu payes son école. Tu l'envoies en Europe. Tu arrives en Europe, même tu prends la fille de ta soeur. Tu as une nièce. Tu payes son école, tu donnes les papiers et tout. Quand elle est bien. Le jour où elle est bien comme ça, la copiant, mof, c'est là que tu vois son vrai visage. Elle t'insulte en train de dire que yé, que mais c'est pas tu es ma fille. Tu dis, mais tu appelles qui ma fille, mof. Maman m'a mis au Cameroun. Elle te coupe. Elle prend le temps d'envoyer les gens à sa mère. Alors que toi-même, tu n'avais même pas investi autant sur tes enfants. Te voilà maintenant. Tu pleures tous les jours. Oh, oh. Ne te dérange pas. L'univers a vu. Avant, je me disais, comme je ne peux pas voir l'univers ne peut même pas noter les détails. L'univers, gars, on m'a escroqué 5 millions l'autre jour. Donc, tu as vu. Et parti avec.
Et Patia, tu me demandes de pardonner, d'oublier l'univers. Non, moi, je ne peux pas oublier. Ah, mais 5 millions, là, j'avais même 5 ans pour économiser ça. L'univers te dit laisse. Laisse. Libère ton cœur, libère la personne là. Ne parle plus mal de lui. Laisse-le. Tu dois maintenant te programmer. C'est Coco qui t'a donné mon chapelet. Et il te faut ça. Il te faut un chapelet sur le coup. Et quand ça te dit laisse, c'est parce que dans la relation, là, il y avait des énergies qui t'attachent. Chaque fois que ta pensée laisse la personne entrer, oh, je souffre comme ça là. Oh, à cause de lui, si tu ne m'avais pas abandonné avec les enfants, tu m'as amené en Europe, tu m'as laissé. Laisse tout ça. Je t'ai amené en Europe, tu as pris les papiers, tu es parti. Laisse tout ça. L'énergie que tu as accumulée, tu as investi dans la personne, tu as semé dans l'univers. Et la loi de la physique dit que aucune énergie n'est perdue. Écoutez-moi, la physique là va vous aider. Que ton cœur va pardonner quelqu'un facilement. Pardonner, ça ne veut pas dire que tu deviens bête encore. Pas que ton ex revient après 3 mois. Il a pris tout ton argent et est parti avec. Il peut faire la java avec les filles. Dès que ça finit, il revient, tu le pardonnes. Oh, Andrew, non, on a dit qu'il faut pardonner. Ce n'est pas le genre là qui est Dieu. Moi, je vous dis, moi. Je te pardonne, je te libère, mais ne passe plus jamais chez moi. Même si on a des enfants. Je ne vais jamais mal parler de tes enfants. Tu es le père. Vous avez un père magnifique. Comme mari, il n'était pas bon, mais peut-être comme père, il sera mieux. Mais ne passe pas dans mes 5,50 m. Ne m'appelle pas pour sympathiser. Je ne sympathise pas. Bonjour le roi Feuillot. Merci pour le partage. Quand tu as libéré la personne là, toute l'énergie que tu as semée, tu vois, toutes les années où tu partais tôt le matin, tu ouvrais son magasin pour lui, il venait à 10h alors que tu étais là-bas depuis 6h30. La première chose qui se passe, c'est quoi? Tu as développé une discipline. Tu es devenu discipliné. Chose que la personne qui avait le magasin lui-même ne connaissait pas faire. Voilà, j'ai conçu ma chaîne YouTube. J'étais à 5000 abonnés. Ils ont fermé la chaîne. Ne te dérange pas, ma chérie. L'énergie que tu as build up là, c'est en toi. Tu as encore le pouvoir. Je n'ai pas entendu le nombre de gars qui sont faits dans ma vie. Que ce soit les fils ou les copains. Quelqu'un vient te dire, oh, je suis ma mère, je suis ton fils. D'accord. Il vient, il prend tout ce que tu as. Il vient me prendre ton savoir. Je dis que mon fils, je dis toujours, le dernier fils que j'ai eu, je lui dis toujours, garde ton cœur. Protège ton cœur. Ne vois pas ce que je fais, tu commences à prendre la grosse tête, que moi aussi je peux. Tu as ta part, j'ai ma part. Mes pères et mes mères spirituelles, je suis plus puissante que elles. Mais quand les gens là se mettent pour parler dans ma vie, je m'agenouille, je dis amen. Écoutez bien. Jésus était l'homme le plus puissant qui était venu. Jésus, c'est Jean-Baptiste qui a lavé Jésus. Il a fait le lavage dans la rivière. Ce que vous appelez le baptême, là, c'est le lavage. Il l'a lavé. Ça a ouvert les portes de Jésus. Il a lavé avec la poule blanche. La Bible dit que la colombe. On prend l'eau, on te lave. On prend la poule blanche, on met sur toi. Ça a ouvert les portes de Jésus. Jean-Baptiste lavait les gens. Il faisait le lavage. Moi, c'est. Ma part, c'est.
C'est que seul. C'est que seul. Je prends la Bible avec le traditionnalisme. Le gens qui m'ont appelé, je mets que les deux ensemble. Parfois, quand j'ai les inspirations, que même les pasteurs eux-mêmes ne sont jamais restés comme ça, ils ont eu. Moi-même, je ne sais pas que j'ai fait à dire que mais tu as encore vu l'autre là-haut. Jésus avait besoin depuis le premier jour. Quand on arrive au temple pour le présenter, jusqu'à Simon a dit voilà le fils qui est venu. Après, Anne est venue à la parler. Jésus était plus puissant qu'eux. Mais Jésus ne pouvait pas se rendre seul. Il ne pouvait pas profiter sur la vie qu'il avait un mois. Nya, nya. Après, tu vois l'enfant faire. Ah, chandara baba, sakaraba, chandara. On dit l'enfant, il fait quoi comme ça? On parle dans son berceau, on le regarde. Après, l'enfant ouvre la bouche et commence à parler. Au nom de moi-même, je me bénis. Au nom de moi-même, jamais. Jésus a eu besoin que les rois marchent qui te louent pour venir avec les cadeaux. Même son père et sa mère. Joseph n'était pas... Mais Joseph était connecté spirituellement. Joseph dort, il se réveille le matin, il dit à sa femme que... Un ange est venu me dire la nuit qu'on doit vous déménager. On part, on quitte de Bruxelles, on va s'installer à Paris. Elle dit, Joseph, yes, Joseph. Jésus, je te dis que oui, j'ai rêvé la nuit qu'on doit déménager. Le soir, ils ont porté toutes leurs choses, ils sont en train de... Ils sont dans le blabla car ils partent à Paris. Si vous ne comprenez pas ce que je vous explique là, vous allez vous prendre la tête. Tu vas arriver, tu vas voir quelqu'un, ta voiture est plus grande que la sienne. Et cette personne va te guider spirituellement. Tu dis, mais attends, moi j'ai plus d'argent qu'elle. Non. La fête d'esprit est. Un soula peut venir. Un soula qui a les dons spirituels. Dans sa boisson là. Il te donne deux instructions que tu vas aller faire, ça va ouvrir ta vie. Maintenant, s'il arrive devant toi, tu dis, ah, un soulard comme toi, tu peux me mener quoi. Tu vas perdre ta part, là, là, là. Donc, toute l'énergie que tu as pris, tu as mis quelque part. Tu as mis dans un business. Tu as mis dans un mariage. Tu as mis dans. Bonjour la reine Marie. L'univers a vu. Quand il passe mon temps, je pouvais être. Il est quoi? Il est 6h30. Ou c'est 7h maintenant. Je pouvais être dans mon lit en train de dormir. Où? Mais voilà, je suis dans mon salon en train de vous faire des vidéos. Je pouvais être confortablement dans mon lit. Parce que mon lit est très doux. Et tout ce que je suis en train de mettre là dehors, je donne. Que vous me disiez merci ou pas, l'univers voit, note, et l'univers va te récompenser. Paul a dit dans Galates chapitre 5, « Don't be fooled. Everything you sow, you will reap. » Ne te détrompe-toi. Tout ce que tu sèmes, tu vas récolter. Tu vois ta nièce, veut se marier. Un blanc est venu, il est intéressé par elle. Tu dis, pourquoi? C'est l'enfant de ma petite soeur. Pourquoi c'est elle qui veut se marier avant ma fille? Tu appelles tous les gens de la famille, tu veux les gâter. Tu appelles tous les gens de la famille, tu veux mal parler de ta nièce. Tu appelles même son fiancé. Et que tu sais qu'elle avait les dragueurs ici. Hein? Elle pissait au lit quand elle était petite. Elle a arrêté de pisser au lit à 18 ans. Là. Je te dis. Oui, elle a même la ménagerie quand elle était petite. Hein? Tu sais. Elle avait beaucoup de dragueurs. Moi, quand elle a passé les vacances chez moi un jour, là, je ne dormais pas. On venait la chercher trop. Et que tu sais moi que sa mère avait le sida. C'est le sida qui a tué sa mère. Donc même elle a peut-être qu'elle a même le sida. Ne te dérange pas.
Ta fille, même si elle réussit à se marier, elle sera malheureuse éternellement dans son mariage. Quand tu gâtes le mariage de quelqu'un d'autre là. Sans compter les tanticons qui partent, monsieur le marabout. Qu'elle croit que quoi, je vais lui montrer. Tu peux gâter le mariage de ta nièce. Elle se marie 3 mois plus tard, le gars la met dehors. Le mariage, elle se gâte. Le monsieur dit que je ne comprends pas, mamie, je t'aime. Et je ne veux plus être avec toi. Wonderful. Tu dis que quoi? Que je t'aime. Oui. Viens, allons, on soit ensemble. Non, je ne sais pas, quand j'arrive à côté de toi, on a mis l'esprit de rejet entre vous deux. Quelqu'un est parti gâter. Que vous étiez, tu es beau, il est belle. Je ne sais même pas quoi. Oh, il est belle. Tu es beau, elle est belle. Vous êtes tous les deux jeunes. Vous vous aimez. Quand vous fumez ensemble, ça donne. Vous croyez que ça va plaire à tout le monde. Quand on a gâté ton mariage, là, ne t'inquiète pas. Ils vont manger le dent. Et plus tu t'élèves spirituellement, plus ton karma, ta puissance, genre, les gens qui t'avaient fait mal avant, là, ils ont trouvé du mal quand tu étais encore simpleton. Là. Marie Mbata, je ne fais dans rien, tu as compris, et je fais dans tout. Je vais même te bloquer. Je n'aime pas, je veux pas les questions comme ça. Là. Si je m'en reprête, quitte ma page. Peut-être dans 5 ans, quand ton énergie sera au niveau. Parce que ce que j'enseigne, ce n'est pas pour tout le monde. Ce que j'enseigne, je ne suis pas sur Facebook, je cherche tout le monde. Jamais. Donc, détrompez-vous. Si un jour vous restez, vous ne voyez plus ma part, c'est que vous êtes bloqué. Vraiment. Voir quelqu'un va te dire que j'ai écouté ta vidéo pendant 3 minutes. Tu fais dans quoi? C'est-à-dire que donc, chaque jour, je fais 1 heure de vidéo. Tu peux écouter 3 minutes, tu veux qu'elle vienne te dire ce qu'elle fait. You de lie. Paresseuse. Vous devez comprendre que quand plus tu montes spirituellement, les gens qui t'ont fait du mal, on va faire du riz, pourquoi? Les gens qui t'ont fait du mal, vous allez remarquer qu'ils vont commencer à payer leur karma. Ta puissance va accélérer leur punition. Hoha! Parfois, tu n'as pas besoin de parler. Quelqu'un vient prendre ton argent, pas avec. Tu restes comme ça là. Tu as envie de le maudire, mais après tu dis, ça va. Ça va. Ça va. Quand tu le lâches comme ça, 3 mois plus tard, on te dit qu'il est en prison. Ou bien qu'il a chuté jusqu'à... Il a m'attrapé le sida, il est devenu maigrichon. Même l'argent pour se soigner, il n'a pas. Tu n'as même pas besoin de dire que je te maudis, je te ceci. Donc, vous devez comprendre que les enseignements que je vous donne, ça active vos anges. Et vos anges savent exactement ce qu'ils doivent faire. Ne vous inquiétez même pas. J'ai souvent, quand je commençais à monter dans les choses, c'est là. Moi, je me disais que quand j'ai un problème, il faut que je bosse plus. Il faut que je... Hey, comment tu peux dormir? Non, lève-toi, va faire, va faire. Un jour, je me rappelle particulièrement, un jour, je voulais acheter un terrain. C'était même le terrain. Non, j'avais un deadline pour payer une facture, je ne sais pas. En tout cas, j'avais besoin de 1,5 million le jour là. Je reste comme ça et je dis que ma ça, je ne sais pas par quel miracle. Tous mes paiements, ce sera dans peut-être une semaine, 2 semaines. Je reste. Dieu me dit, va dormir. Je dis non, il faut que je reste bosser. Une fatigue m'a touché comme ça là. Je m'allais me coucher. Parce qu'à la nuit, parfois je travaille jusqu'à 2h, 3h. Oh, ça m'a touché. Je suis parti. J'ai dormi peut-être le jour de 20h. De 20h, j'ai ouvert les yeux à 4h. J'ouvre les yeux à 4h. Je vois
La reine Martino, comment tu vas? Je vois que quelqu'un a acheté un de mes programmes. Et il a vu, il a payé une fois. Je me réveille, je vois là-bas, la personne m'a viré 350 000. Parce que je fais aussi du coaching de business. Donc, l'heure là-bas, c'est 500 euros. Gomme arabique. Moi-même, je mets. Voilà mon numéro en haut de cette vidéo. Va regarder, va prendre le numéro là-bas. Vous pensez que je cherche les clients comme ça là? Si tu ne peux pas aller prendre le numéro là-bas pour écrire à quelqu'un, tu laisses toi, c'est papa, tu laisses toi, c'est maman, tu laisses. Tu as compris? Vous pensez qu'il faut qu'on coupe derrière vous? Je ne coupe pas derrière mes clients. Et ceux qui arrivent de Bengla, vous venez ici. Ne venez pas me voir le dernier jour de votre séjour au Cameroun. Je ne vous recevrai pas. Arrêtez de me simplifier. Donc, je vous donne l'avertissement. Vous venez au Cameroun, partez, faites tout ce que vous avez à faire. C'est le dernier jour que vous venez me mettre la pression. Vous êtes malade. Ah, je viens d'Europe. Je viens d'Europe. Oh, ne t'inquiète pas, je n'ai pas la pression des Européens, moi. Absolument pas. J'ai une dame qui a fait ça hier. Elle a attendu 4 heures de temps là-bas dehors. Après, elle dit, maman, je viens d'Europe, je viens de... Tu pars quand? Je pars demain. J'ai lui demain. Si elle veut prendre un kit, elle ne veut pas prendre, pas. Il fallait que je vous dise ça en avance. J'ai des gens qui savent. Si tu sais que si tu me... que je peux t'aider en quelque chose, si tu as atterri au Cameroun à 13 heures, viens me voir à 15 heures. Tu vas arriver, je vais laisser tous les gens qui sont là pour te recevoir. Mais si tu vas faire, tu vas faire tout ton séjour de 2 semaines, tu viens venir le dernier jour pour mettre la pression. Pour mettre la pression. Hein? Tu vas même te dépanner, tu vas partir avec l'argent. Je vais te dépanner. Vous pensez que c'est votre petit argent là. Vos petits miettes de l'Europe là. Ok. L'autre arrive, l'autre jour, elle a fait 4 ou 5 jours au pays. Elle ne me calcule pas. Est-ce que moi j'ai la pression? Elle m'appelle en catastrophe. Oh maman, je suis fatiguée au Cameroun, le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun. Je dis que c'est quoi? Tu vois, elle a eu la chance qu'elle était tombée sur moi le jour-là. Voilà. Je suis au Cameroun depuis 4 jours, ou c'est 3 jours. Je regarde. Oh, la police m'a arrêté, j'ai donné 200 000. Oh, je suis partie, c'est là, j'ai pris la voiture. Une voiture en location, il n'y avait pas les papiers. Là, j'ai il n'y a même pas la clim, j'ai payé la clim dessus. J'ai ceci. Oh, j'ai fait les dépenses de 400 000. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Je suis parti au commissariat ce matin, je voulais faire ma carte d'identité. J'ai tous les papiers. Hein. Le commissaire m'a chassé. Elle vient me voir. Je lui fais le lavage. Pendant que je suis en train de chercher les produits pour lui donner, son beau-frère lui envoie le message que le commissaire a dit que tu passes demain matin pour faire tellement ta signature, tu donnes tes empreintes, on te fait ta carte. Le commissaire qu'il avait chassé le matin, il ne voulait même pas la sentir. Donc faites attention, ne me tentez même pas. Moi, il n'est pas la pression des benguistes. Je ne cherche pas le benguiste. Que ce soit les femmes ou les hommes, vous ne me mettez pas la pression. Voilà. Comme c'est clair maintenant, c'est bon, non? Parce que mes meilleurs clients sont en Afrique. Quelqu'un va te sortir 400 000 pour payer 500 000 ou 600 000, 700 000. Sans souci. Vous de l'Europe là-bas, pourquoi ça sort de vos poches? Jesus is Lord. Tu vas réfléchir. 600 000, c'est presque le salaire d'un mois. Pour certaines personnes. Voilà. Je reviens à mon histoire maintenant. Il fallait que vous disiez ça. J'avais oublié l'autre là. Je me couche, je dors donc. Et bonjour à hein, ceux qui viennent d'arriver. Vous avez aujourd'hui là, je suis dans un mode de grondage. Voilà. Pourquoi tu n'as pas la clé de cet endroit-là? Parce que vous dites que tu veux tout sortir pour venir. Il y a la porte là-bas, tu ouvres la porte direct. Je me réveille, je vois que j'ai un client qui a pris le premier, qui a fait un paiement. Donc pendant que je dormais, l'argent est dans mon compte. Je me réveille à 4 heures.
Vous m'avez à 4 heures. On vous a attaché quoi? Quittez vos bêtises là, on vous a jamais attaché. Je vois l'argent là. Je me dis, ok, il faut que j'aille bosser. Comme la moitié de l'argent est venu, ou bien le quart de l'argent est venu, je suis bousculé un peu aujourd'hui là, je peux aller faire 2-3 trucs. Dieu me dit, dors. Ah, mais je suis censé faire la prière à 6 heures, le direct et tout ça. Il me dit, dors. Quand il me dit, ça va, une fatigue me prend encore. J'ai dormi jusqu'à 10 heures. À 10 heures, je me réveille. On m'a viré. 350 000, c'est quoi? C'est le quart du paiement. Quelqu'un d'autre m'a viré 700 000. Il dit que. Il y a quelque chose dans le sommeil, hein, c'est intéressant ça. Le roi Feuillot, que les locaux sont là. Hein. Il y a des gens qui viennent chez moi, je ne les reçois pas. Ce n'est pas parce que vous êtes venu qu'ils vont vous voir. Ce n'est pas parce que tu es venu qu'ils vont te voir. Je n'ai pas la pression de quelqu'un. Ceux qui sont venus savent, non, ils vont souvent commenter ici. Et le jour-là, le Seigneur m'a enseigné en fait que on a parfois des croyances qui bloquent. Vos anges, quand ils sont. Donc, comme tu es là, tu m'écoutes. Il y a certains de tes problèmes que tu ne vas même pas lever le petit doigt pour résoudre le problème là. Il y a certaines personnes qui veulent te donner l'argent que tu n'as pas besoin de les appeler. Que donne-moi mon argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Arrange ta vibration. Arrange ta vibration. Tu vas te lever le matin comme ça. Tu vas voir. Waouh! Ton dragueur là t'a donné la voiture. Donc, certains combats se font quand tu es là éveillé. D'autres combats se font quand tu es en train de dormir. Parce que tes anges parfois ont besoin que. Ton esprit ne combatte pas. Parce que dans la journée, tu réfléchis. Comment je vais faire pour payer la facture là? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Tu empêches à tes anges de travailler. Tu les empêches. Donc, soyez sensible spirituellement. Soyez très sensible. Voilà, ta maison est restée sans locataire, Yasmina. Parce que ta vibration a commencé à changer. Il fallait que l'univers te donne l'argent. Donc l'univers a dit, ok, il y a quoi? On peut mettre les locataires chez elle. L'univers est tout le temps en train de chercher à vous donner les locataires, l'argent en fait même. Il y a le matin où je reste comme ça, je n'ai pas envie d'aller consulter les gens. Je dis à mon gars, tu sais quoi? Je ne veux pas partir consulter les gens aujourd'hui. Et quand on connaît comment la fesse fonctionne, il dit ok, repose-toi alors. Au coup, je dors. Les anges viennent. Ils opèrent. Ils opèrent. Certains d'entre vous, vous devez dormir même pendant une semaine sans sortir de la maison. Tu dors seulement. Tu te couches, tu dors seulement. Tu te réveilles, tu manges, tu fais l'amour, tu dors. Ta vibration est réparée. C'est réparé. Réparé. Après, tu vois, un paiement est venu dans ton compte. Après, tu vois, on t'appelle, on te dit qu'on a vendu ta voiture de depuis, que ça fait 2 ans que tu vends la voiture là. Un acheteur est venu là, ça va donner l'argent. La vibration. «
Exactement. Toujours en train de chercher des solutions pour vous. Bonjour Eiffel là. Eiffel Noir. Bonjour Joël. Ceci fonctionne peu importe ton pays. Les gens qui arrivent à l'ambing avant de prospérer là. L'argent va te localiser à Bamungum ou à Fondjomung. Tu as Bamungum, même à Bayangam. J'ai des gens à Bayangam qui m'écoutent. Bonjour mes gens de Bafoussam là. Les gens à Badjoun qui m'écoutent. Pas chez Jean Gouanga le réseau là, tu mets ton truc là, tu télécharges la vidéo, tu me regardes. Si c'est que tu respires l'air comme ça là. Oui, ça peut marcher pour toi. Maintenant, quand vous m'écoutez, mes paroles sont des paroles reconstructives, reconstructrices. Cherchez le mot parmi les deux là qui vous plaît. Mais vous avez compris que there is a reconstruction process that has begun in you. Je vais commencer à vous parler en anglais. Moi, je suis plus à l'aise en anglais, you know. Alain Michel sur le fax, si tu vois, il va se mentir, il veut que tu tapes avec le bâton de commandement. Donc, quand vous écoutez, ça restaure d'abord votre âme. Vous avez des petites lacunes dans votre esprit. Donc, quand tu restes, tu penses à ta journée. Problème, 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 problème. C'est pour ça que dans la journée, tu as des problèmes. Oui, Tina, quand tu prends un de mes kits et que tu as envie de dormir comme ça, là, ça veut dire que c'est en train de restaurer les choses à l'intérieur de toi. Il y a les énergies. Un moment, vous n'allez, comme tu dis que c'est quoi, tu dis que tu commences à rêver des stars. Un moment, tu vas même plus rêver seulement des stars. Tu vas rester comme ça là. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te présenter, dire que je connais telle personne, je peux te connecter. Tu veux qui? Je te passe le ministre, tu veux le numéro du premier ministre? C'est ce qui m'arrive beaucoup ces derniers jours. Je connais la présidente de la République. Je connais. Tu veux. Il dit ok. Ok. La vibration est en train de monter. Donc, quand vous m'écoutez, ça vient redresser votre esprit. Ça redresse votre âme. Ce qui fait que tu vas peut-être persévérer. Il y a un endroit où quand tu abandonnes vite, quand tu commences à m'écouter, tu persévères. Il y a peut-être des choses que quand tu faisais, tu tournais un peu, quelqu'un te dit non, tu refuses, ok, comme ça ne marche pas, mon YouTube ne marche pas, tu laisses. Tu repars, tu lances encore. Certains d'entre vous, vous ne croyez pas que vous pouvez avoir l'argent un jour sur cette terre. Plus tu m'écoutes, quand tu restes le matin sur ton lit comme ça là, tu commences à voir comment l'argent peut venir dans cette journée. Tu commences à voir comment tu peux avoir. Oui. Bonjour la reine Rosine. Maintenant, quand vous allez commencer à traverser ça, il y aura des émotions qui vont venir. Donc, quand vous allez entrer dans la bataille des émotions, vous devez être... Pause, partagez ma vidéo. Si vous ne partagez pas ma vidéo, sortez de mon direct. Sortez. Les gens qui sont chiches là, ça veut dire qu'on n'avait rien à faire. Quand vous allez avoir, vous allez commencer à voir les pensées, vos anciennes pensées qui sont habituées à vous vont venir le matin. Toc, toc, toc. Regarde comment tout, rien ne marche. Regarde comment la journée, si tes choses ne vont pas donner. Regarde, tu vas échouer. Tu vas. Quand ça vient,
Tu es en train de regarder mon direct. Quand ça va entrer dans ta tête, mes pensées que je suis en train de te donner par mes paroles se pointent. Ça dit, non, ta journée, ça va marcher. Ça te dit, everything you put your hand go work. Tu dis que je choisis alors quel. Je serai toujours pauvre ou bien tout ce que je fais va marcher. Qu'est-ce qui se passe? Everything you put your hand go work. Your name will open doors. Amen. Tu mets ta musique, tu danses dans ta chambre. Tu as fait 4 heures de temps sans mauvaise pensée. Tu as fait 4 heures de temps sans mauvaise pensée. Tu dis, waouh. Vers la 5e heure, ça commence à venir. Tu vas rencontrer un de tes amis là. La personne là est toujours négative. En chemin, puisque tu avais accepté que tu allais partir à son anniversaire. Joël Camelo, si tu n'as pas de résultat, c'est ton problème là-bas. Tu as compris? Tu sais que mes choses marchent. Tu as compris, Joël? My things they work out. Tu as compris? Puisque tu avais promis à cette personne que tu allais venir à son anniversaire, tu te forces allons à l'anniversaire. Ton esprit te dit ne pas, pas là-bas. Tu connais que ta copine est trop négative, non? Ouais, j'ai promis qu'elle devait venir, non? Oh. Tu arrives en route de la voiture, le taxi se gâte 2 fois. Premier taxi se gâte, il te dit que pardon, sortez ou prenez un autre taxi. Deuxième taxi se gâte, que sortez ou prenez un autre taxi. Là, tu sais quoi? Rentre. Rentre. Toute l'énergie que tu as pris 2 mois pour arranger dans ta vibration là. La soirée où tu es en train de partir, on va prendre ça. N'est pas tout, voilà, tu forces. Voilà, tu arrives à la fête. Elle te voit d'abord, ta mine a changé, tu es de bonne mine. Ah, bonjour. Elle te regarde bizarrement. Comme tu es belle, rayonnante, elle va te mettre au fond de sa salle. Là où, à la porte, là où on va te pousser, on va te piétiner à tout moment. Et c'était ta meilleure amie avant. Hein. Yeah, c'est là 2 mois avant que tu commences à m'écouter, c'était ta meilleure amie. C'était ta best friend. Là, voilà maintenant, un devant. Elle te met là-bas derrière. Voilà, je voudrais dire un merci à ma meilleure amie. Elle cherche quelqu'un, une autre personne dans le public là-bas. Oui, viens, oh, je ne serais rien sans toi. Toutes ces années, tu m'as soutenue. Parce qu'elle veut te faire mal au cœur. Et toi-même, tu connais. Comment tu as aidé la femme-ci? Comment tu... Merci beaucoup, Simon. Comment tu étais là pour elle? Comment elle suçait ton énergie? Tu portais l'énergie la nuit, tu viens, tu dans le matin. Elle prend le sucre tout. Après, se plaindre encore. Ma vie ne va pas, ne marche pas. Mon mari ne m'aime pas. J'ai besoin de toi. Viens, on passe la journée ensemble. Elle a pris toute ton énergie chaque fois. Là, voilà la fête. Comme elle te voit, tu as porté les talons, mais tu es en forme. Est-ce qu'elle va te montrer? Excusez-moi, je vous remercie d'être venu à mon anniversaire. Vraiment, franchement, je suis reconnaissante. Il y a une personne qui a fait tout dans ma vie. Elle est tout pour moi. Merci. Jacqueline, viens, viens. Donc voilà, au fond de la salle, là-bas. On t'a mis dans un coin, les gens te poussent. Quand on faisait le service de table, ta table, c'était la dernière table. Vous savez quoi? Best friend, tu connais là. Écoutez, quand votre énergie est en train de montrer là, les gens vont vous montrer. Les pères de vos enfants vont vous montrer. Que tout le temps, tu tournais, après tu venais me demander l'argent. Depuis 3 mois, tu ne me demandes pas l'argent.
Ce qu'il donnait même pour les enfants, il ne te donne plus. Il vient garder sa grosse voiture. Tu sais qu'il a l'argent. Mais comme toi, tu as évolué et que ton esprit maintenant a changé. Quand il vient pour déposer les enfants, tu as besoin de quelque chose. Ah non, 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 ça va. Il te voit que tu sors, donc tu as fait ton gommage, à ta peau brille. Est-ce que vous savez qu'il y a les pères des enfanticons aussi là? Il y a les pères des enfanticons, je ne sais pas comment on va les appeler. Même les mères des enfanticons. Il arrive là, il garde la voiture, il veut te montrer sa nouvelle grosse voiture. Même s'il a loué la voiture, il faut qu'il vienne te montrer. Voilà, il a eu gars. Il a posé des questions aux enfants. Et votre mère, est-ce qu'elle a un nouveau gars? Est-ce qu'elle va bien? Oui, maman va bien. Elle a voyagé, on est parti à Lima l'autre jour, on est parti en vacances. Maman, ta mère est partie en vacances? Oui. Elle est partie faire le massage? Elle prend soin d'elle. Elle va voir. Le mois prochain, elle ne paye pas la pension des enfants. Il dit que je vais voir que sûr que c'est mon argent qui n'a pas fait la pension, elle est pépée, elle va se mettre à l'aise avec. Le mois là est exticon. Oh merci, vous me plaisez trop. Si quelqu'un tombe dans le direct, si c'est un décepticon, il va se dire que les gens ne savent pas l'homme de quoi. Parce qu'on a développé notre langage à nous. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Le voilà. Il dit, je vais lui montrer. Le mois prochain, là, tu regardes dans le compte, tu ne vois pas l'argent. Mais comme par hasard, dans ta vibration qui était Nyanga, tu as lancé ton business. Tu vends les parfums, les produits de santé maison. Le mois passé, tu t'es fait un bénéfice de 2000 euros. Là, c'est en truc des enfants, c'est 800 euros qu'ils te donnaient chaque mois. Ils ne donnent pas le mois-ci. Le mois-ci, tu te fais 3000 euros. Il arrive. Il sait qu'il n'a pas payé le mois passé. Tu ne l'as pas appelé pour crier sur lui. Hein? Hein? Jean-Jacques, c'est comme ça que tu faisais quand c'est pour ta nouvelle femme. Non, tu ne l'as pas appelé. Le week-end prochain, il vient prendre les enfants. Tu dis bye. Après, il vient les déposer. Tu dis bye. Il dure même dans la voiture, il attend. Tu n'as rien à me dire. Non. Si je viens de rentrer, on était à la plage avec les copines le week-end, comme tu avais pris les enfants. Ouais, ça va, non, pas de soucis. Bye bye. Bonne journée. Bonne semaine. Hein. Dis, mais je tenais la femme si elle avait la pension alimentaire que je lui verse. Il commence à checker tes statuts. Il commence à checker tes statuts. Après, il tourne, il va commencer à venir te draguer. Les modèles des exticones. Elle n'a pas besoin. Mais tu es devenue belle, hein? Vous connaissez les Oh, les exticones. Après, il arrive, il voit une nouvelle voiture dans le garage. J'ai arrêté de donner la passion alimentaire. Je me fais deux week-ends, je n'ai pas pris les enfants pour qu'elle soit stressée avec les enfants. Elle ne se plaint pas. J'arrive, je vois la nouvelle voiture. Tu es devenue belle. Dis-moi ton secret, c'est quoi ton secret? Ah non, ça va. Alors, tu passes à déposer à quelle heure? 16h demain? Ok, bye. Tu as fermé la porte. Il est devant la porte comme ça. Tu as ton monté, tu as l'étage en train de travailler. Il reste dans la voiture 30 minutes. Ma calcul, ma plan. Mince. La femme s'est en train de m'échapper. Quand elle me suppliait souvent pour l'argent des enfants, c'est là-bas que ça me faisait plaisir. C'est de là que je tirais ma gloire. Mais elle est devenue indépendante mentalement comme ça. Pourquoi? Ah. Mais c'est pas possible ça. Écoutez, votre énergie, je vous le dis encore, est en train d'augmenter. C'est un peu comme si vous prenez de l'ampleur. Donc,
Si tu as, ton énergie radiait peut-être à 2 km. Maintenant, ça a grandi. Ton énergie radie maintenant même à 1000 km. Revanche, exticone. En fait, tu te sens tellement bien que tu n'as même pas le temps d'aller te faire la revanche sur ton ex. Tu es juste bien, tu vois. Tu ne le calcules pas. Tu ne l'accuses pas d'avoir causé ta perte. Tu ne l'accuses pas. Tu ne le calcules pas. I'm good. Ce n'est pas ton ex. Non, 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 I'm good. Ça va, ça va. Tu es en train de guérir de l'intérieur. C'est comme ça que dans ta belle vibration, tu rencontres un beau milliardaire. Blanc, métis, ça dépend de ce que tu aimes, ton goût. Commencez votre relation. Bien sûr, tu as dit là avec ton ex, donc ton ex n'est plus un problème. Parce qu'il y a aussi des exticons que à chaque fois, ils veulent gâter ta relation. Quand tu étais seul, il t'avait quitté. Et quand il t'a quitté là, il te menaçait. Pour te donner même les petites miettes qu'il donnait pour les enfants. Écoutez, ne forcez pas les pères ou les mères de vos enfants à donner le laisser. Quand vous dites souvent que quand quelqu'un te doit l'argent, tu vas le laisser. Quand tu forces ton ex à te donner, c'est un peu comme si... tu passes le temps à demander l'argent à quelqu'un qui te doit. J'ai droit à ça. Pourquoi tu ne m'as pas donné? Tu as rencontré ton nouveau gars. Tout va bien. Tu ne dis même pas à ton revanche exticone que tu as un gars. Il apprend que tu es déjà marié. Maintenant, tu lui dis que bon, on va maintenant aller vivre aux Champs-Élysées. Oui, c'est là-bas qu'on va prendre. On a... tu ne dis même pas que tu déménages. Attendez, vous donnez le modèle. Tu donnes la nouvelle adresse. Il tape dans le GPS. Il voit que c'est un quartier chic de Paris. Il tape. Il dit qu'il va aussi arriver pour voir, non? Il arrive, il va y voir sur la sonnerie, il voit ton nom. Il dit, il sonne. C'est ta femme de ménage ou ta gouvernante qui vient ouvrir. Il dit qu'il vient chercher les enfants. Il te voit même pour toi-même. C'est maintenant avec la gouvernante qui dit. Tu as laissé les consignes, les instructions. Est-ce que je peux la voir? Non, elle est dans le sauna. Elle prend son bain de soleil. Elle prend son bain de soleil. Elle va finir en 2 heures de temps, monsieur. Écoutez, ces gens qui pensaient qu'ils étaient votre devant derrière là, c'est là que vous allez voir leur vrai visage. Les mots, les petits mots pour t'attaquer là. Que tu as maintenant pris l'autre aussi où? Tu as allé maintenant, c'est maintenant que tu as attrapé quel gibier maintenant. Merci. Il t'a dit de donner l'enfant à ton futur mari. Non, il n'y a pas de problème. Souvent, ces gens-là, leurs vibrations viennent gâter votre... Ça gâte votre futur mariage. Écoute, la place que tu m'as donnée dans ta vie, c'est celle-là que je prends et que je te donne aussi. Quelqu'un qui t'a laissé, qui allait se marier avec quelqu'un d'autre, et... Ça, c'est que tu as passé 5 ans seul, 8, 10 ans. Pourquoi je viendrais foutre en l'air mon futur mariage pour toi? Why? Même vous présenter là, je n'ai pas besoin. Je te présente à mon mari, pourquoi? Pourquoi? Parfois, il voit ton mari.
Il parle encore derrière de drague. Comme il est venu m'entretenir là maintenant, tu crois que... Allez. Quand tu vois, on m'arrange là, puisque je suis à l'aise dans ma relation. Il t'appelle aux heures bizarres maintenant. Tu ne m'as pas... C'est toi qui m'as laissé, non? N'est-ce pas? Les 10 ans que j'ai fait seul là, tu savais qu'elle était seule. Parce que vous devez comprendre que quand votre nouveau niveau de bonheur là, certaines personnes ne voudront pas que vous soyez heureux. Donc c'est à vous d'être sage. C'est quand même le père de mes enfants. C'est le père de tes enfants. Pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Il y a le kit infertilité avec des poudres dedans que vous pouvez boire. Ça vous aide à régénérer. Donc, vous faites le test de chlamydia d'abord. Et puis, vous prenez le kit d'infertilité. C'est 50 000, je pense. Vous avez compris, non? Vous allez voir beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Vous devez savoir faire la part des choses. Parce qu'après cette personne-là, cette ex-personne va vouloir venir prendre ton énergie. Parce que tout est énergie. Va vouloir venir prendre ton énergie. Parfois, va vouloir mettre ton mari mal à l'aise. Écoute, quand ton mari t'a trouvé, tu étais à terre. Le père de tes enfants-là t'avait laissé à terre. Il a pris peut-être 2, 3, 4 ans. Maintenant, votre relation est solide. Ça commence à aller. Ne fais pas l'erreur, ma chérie. Donne la place à l'homme-là. Il va te soulever jusqu'au ciel. Parce que si l'ex pouvait te soulever, s'il voulait te soulever, il t'aurait soulevé. Ce n'est pas maintenant qu'il va te soulever. Régime Bicon, moi je dis toujours que l'affaire de pension alimentaire, là, si le père de ton enfant mourait, tu allais aller dans la tombe pour demander que toc, 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 donne-moi l'argent de l'enfant. Non. Si quelqu'un quitte de ta vie ne veut pas payer la pension de l'enfant, laisse-le y part. Livam. Livam. Moi, je suis très extrême dans mes choses. Parfois, il me dit que, ouais, quelqu'un pleure une dette. Oh, telle personne me doit de l'argent. Oh, je dis que si tu avais l'argent là sur toi, tu entres dans le taxi, ou tu marches en route, ou tu roules la nuit, on te braque. On prend tout l'argent. C'est parti, non? Tu vas commencer à pleurer. Oh, braqueur, remettez-moi mon argent. Non. Tu vas savoir que c'est parti, non? Et maintenant, pour le père de l'enfant, là, ça, écoutez, si vous mettez ma méthode, c'est en pratique. Le mois où il paye, tu envoies seulement dans le compte d'épargne de l'enfant. Tu envoies. Donc, ça, ce n'est plus un facteur nécessaire à ton épanouissement. Le mois où il envoie, tu fais seulement un virement boum, dans le compte de l'enfant. Dans son compte où, quand il va grandir, tu vas lui donner que voilà ton argent que j'ai économisé. Ou bien il vit, tu fais même 6 mois, tu accumules les pensions, là, tu achètes un terrain à l'enfant. C'est que dans 20 ans, quand il sera bien adulte, là, quand il sera bien adulte, la valeur du terrain là sera multipliée par, je ne sais pas, même par 10, par 15. Parce qu'il faut avouer que certains d'entre nous, on a fait des enfants avec des cons. Sérieux. On a fait des enfants avec des cons. Et quand quelqu'un est con, c'est un con. Maintenant, tu n'as pas besoin de dire à l'enfant que c'est un con. Laisse-le seulement. Blesse, bénis-le. Tu vas adorer l'enfant. Merci, papa. Merci. Bye. Pas besoin de bloquer même la personne. Hein. Mais parfois, certaines personnes sont nécessaires que tu les bloques. Pour que ça te donne un peu la paix, pour que tu avances pour une période de ta vie. Moi, j'étais... Ça fait des pensions alimentaires. Si dans le début de la vie de ma fille, son père n'avait pas un peu, n'avait pas d'argent. Il se cherchait encore. J'étais en Angleterre. Je n'avais pas de titre de séjour. Donc, il n'y avait pas moyen que je demande à l'État de me donner de l'argent.
qui fait que c'était difficile. Chaque fois que je l'appelle, je demande l'argent, il me dit, il me donne des excuses, non, je n'ai pas, je voilà. Et l'État ne me donnait pas. J'ai programmé dans ma tête. Je suppose que l'enfance n'a pas de père. Je suppose que l'État ne me doit rien. J'ai commencé à bosser pendant 5 ans. Tout ce qu'il fallait pour ma fille, c'est moi qui donnais. Et ma fille avançait. Ce que je fais dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, vous me voyez, je fais, je parle, tout ça là. Regarde, j'ai au moins 10 ans d'expérience. Ça fait 11 ans que je chargeais déjà les conteneurs. Les premières personnes ont fait les conteneurs au Cameroun. Vous me voyez, je suis jeune comme ça là. Je chargeais déjà pour envoyer ici au Cameroun, avec mon ex à ce moment-là. Il était au Cameroun, moi, j'étais là-bas, c'est moi qui chargeais, j'envoyais ici. Linda, j'ai demandé si on avait, si avait ton numéro. Parce que je voulais te dire merci. Pour, tu m'as apporté les noix de coco avec les ananas. Linda, tu sais quoi? Dans la journée, je suis sortie pour manger avec ma fille. En rentrant, je voulais acheter les ananas. J'ai vu les ananas, je voulais acheter. Mais j'avais la paresse de garer, acheter. J'avais pas de monnaie, voilà. Donc, j'ai demandé, ah, j'ai envie des ananas. Je suis arrivée à la maison, tu n'étais pas encore là. Je reste à l'intérieur une heure de temps, on me dit que tu es là et que tu as apporté les ananas. C'est là que je dis, waouh, j'allais t'appeler, on me dit que tu n'as pas laissé de numéro. J'ai dit que bon, quand tu vas venir lundi, je vais te voir. Mais hier, je n'ai pas reçu les gens, hier, j'étais pas... C'était une de ces journées où il fallait que je dorme, mes amants, je me repose. Donc, quand j'ai programmé dans ma tête... J'ai accepté le fait que personne ne me doit rien. C'est comme ça que je commence à faire mes choses, à avancer. Si je perds l'argent, je perds, je passe. Si je... Donc, quand tu te programmes comme ça, je parlais encore hier avec quelqu'un, on se disait, je n'ai pas de téléphone ici. Pas de téléphone, c'est dans la chambre, ma chérie. Quand tu es en France, quand j'étais en France, le loyer là-bas, quand tu veux louer une maison, tu payes un mois de caution, un mois de loyer. Ren Young, quand tu te mets en contact, tu as déjà mis des barrières. C'est pas que j'ai pas dit de bloquer les pères de vos enfants, on ne leur parlait plus jamais. Ça ne sert à rien. Parce qu'un enfant a besoin de communiquer avec son père. Maintenant, je dis que dans ton esprit, enlève l'accusation ou bien oh tu devais, tu n'étais pas occupé d'elle, pourquoi tu veux lui parler maintenant? Non, faut laisser ça. Le jour où il veut, il vient pas la vie, il se voit et après, si te la laisse, il te la laisse, tu continues ta vie. Voilà, tu viens voir l'enfant et si tu n'apportes même pas le yaourt, tu ne fais même pas, faut laisser tout ça. Vous allez comprendre, vous savez de quoi je parle. Vous connaissez vos bouches. Donc là, je me rendais compte que la mentalité de l'Afrique en fait est différente de celle de l'Europe. En Europe, tu veux louer la maison. Un mois de caution, un mois de loyer. Ou bien 2 mois de caution, 1 mois de loyer. Je voulais venir à Yaoundé peut-être mardi, parce que je vais aller au Gabon aussi la semaine prochaine. Donc Yaoundé, peut-être mardi, je vais faire un soir à Yaoundé. Donc à rester sur la chaîne. Quand tu vis au Cameroun, on te dit pour louer, tu dois payer 10 mois. Et 10 mois de caution et loyer, ça fait, pour certaines personnes, c'est peut-être 4000 euros ou 5000 euros. Vous devez vous, certaines personnes au Cameroun ici, pour eux, c'est normal. Malgré le coût de vie, la personne va facilement prendre 3 millions. Donner pour payer la caution d'une maison, caution et puis 12 mois de loyer. Donc,
Je me suis dit, si jamais je suis parti de l'Europe où je croyais que c'est un mois de caution, un mois de loyer, je suis arrivé ici, je me suis adapté à 10 mois, 12, 10 à 12 mois. Pourquoi ne pas étendre mon esprit encore plus loin? Pourquoi ne même pas payer 5 ans de loyer? Donc, vous êtes la personne qui vous limite. Bon, qui se limite? Vous êtes la personne qui vous limite. Voilà, c'est ça. Vous avez suivi, non? Excuse my French. If I start speaking in English, you guys will be lost. So, I'm trying my best. Bon, j'ai fini. J'ai parlé des choses un peu, mais mon enseignement ce matin n'était pas... C'était subtil. Donc, je compte, je sais que vous avez compris le message. Je n'ai même pas besoin. C'était subtil. Donc, il y a des petits messages que je passais à gauche, à droite. Petit truc. Ça va vous donner, ça va vous aider. Parce que je suis aussi consciente. Quand j'enseigne, je prends les énergies. Je pique, je prends les énergies des gens qui m'écoutent. Et je sais qu'ils parlent. C'est pour ça qu'en fait, reste, je parle d'un truc, après je quitte tout ça. Je ne veux pas parler de l'autre. Parce qu'il y a quelqu'un là dehors qui a besoin d'entendre ce que j'ai dit là-bas. Je finis là-bas maintenant, je reviens encore par ici. Parce qu'il y a quelqu'un plutôt par ici qui a besoin d'entendre ça. Voilà. À la fin, une petite question que tu te posais toujours vaguement dans ton esprit, tu as la réponse à cette question-là. Bon, c'est fini. Je vous dis maintenant, bonne journée. Je vous bénis. Je vous bénis. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Superbe journée.